Bienvenue dans Style Comics, l'émission qui s'intéresse à l'art graphique des comic books. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Black Beetle par Francesco Francavilla. The Black Beetle est un personnage créé en 2006 par l'artiste italien Francesco Francavilla, grand fan des héros pulp façon The Shadow et The Green Hornet. C'était au départ un simple dessin conceptuel, mais l'artiste a décidé d'en faire une série après que les lecteurs de son blog Pulp Sunday aient plébiscité le personnage. Après quelques histoires courtes posant les bases de l'univers, Francesco Francavilla va signer chez Dark Horse. Il va commencer par publier en décembre 2011 une histoire intitulée Night Shift qu'il découpera en 3 chapitres de 8 pages dans le mensuel Dark Horse Présente. Puis, en juillet 2012, il lance la mini-série en 4 épisodes No Way Out et annonce une suite intitulée Necrologue pour 2013. Mais cette dernière ne verra jamais le jour et il faudra attendre 2016 pour que le Black Beetle fasse son retour dans une nouvelle mini-série en 5 épisodes, cette fois-ci intitulée Karabochek, du nom du pistolet laser utilisé par le justicier masqué. Bien que de qualité, ces récits brillent surtout par leur mise en scène graphique et par le soin avec lequel Francesco Francavilla retranscrit l'ambiance des pulps des années 40 et 50 tout en créant une identité visuelle unique. Je vais d'ailleurs vous présenter ici les 5 éléments qui, selon moi, rendent époustouflantes les pages de ce comics. Entrer dans The Black Beetle, c'est se retrouver immédiatement plongé dans un univers de gangsters élégants à chapeau, de saboteurs nazis équipés d'armes extravagantes et de criminels à gimmick. Mais Francesco Francavilla tient aussi à coller à l'ambiance historique des sérieux et des pulps et va donc peupler ses pages d'avions à hélices, de vieilles automobiles et de tous les accessoires et costumes nécessaires à l'évocation de cette période. Francavilla se rattache à une famille graphique d'artistes qui cherche à dépeindre le réel en stylisant au maximum leurs traits et leur ancrage. Il y a sans doute là un lien avec l'approche des fumetti, ces fameuses bandes dessinées italiennes dont le rythme régulier de parution et la publication en noir et blanc a permis à de nombreux artistes d'exceller dans l'art d'aller à l'essentiel dans leurs dessins. Dès lors, Francesco Francavilla nous entraîne dans un jeu d'équilibriste graphique permanent entre un rendu précis et détaillé des éléments, et notamment des plis des vêtements, et une réduction drastique des lignes inutiles ou superflues. On passe ainsi de cases vides de décors à la découverte soudaine de lieux à l'architecture ou à la décoration détaillée. Ce grand écart se retrouve aussi dans le trait même de l'ancrage. Francavilla ne pose pas des lignes rigides ou trop fermées, il ne cherche pas non plus à varier l'épaisseur de son trait pour simuler le volume. Son ancrage semble au contraire brut, rapide, spontané et parfois même grossier, avec notamment des hachures d'ombre dont les traits ne sont ni parallèles ni même de la même largeur. Mais quand on y regarde de plus près, on remarque vite que tout reste d'une précision remarquable, comme vous pouvez le voir sur ce sarcophage parfaitement dessiné. Les ombres, plis et détails sont vraiment bien positionnés et le travail sur les reflets des bottes et des véhicules notamment est absolument confondant de réalisme. Bien évidemment, qui dit polar pulp dit page chargée d'ombre. Francesco Francavilla s'inscrit dans la veine des Alex Toth, Chris Samnee et autres Eduardo Risso et sculpte très souvent ses cases dans les ténèbres. Il use, sans en abuser, des aplats de noir pour structurer son cadre et guider le regard vers les éléments importants. Et il est d'autant plus habile à cela que, assurant sa propre colorisation, on voit qu'il pense déjà à la façon dont il va appliquer ses couleurs, comme dans cette page où il place le héros entre une zone d'ombre teintée de rouge, qui va représenter les ennemis, et une autre zone exposée à la lumière et teintée de violet, dans laquelle il représente la femme à protéger. C'est peut-être par manque de temps, mais Francesco Francavilla utilise toujours une palette de couleurs restreinte et presque récurrente. Il privilégie ainsi très souvent des rouges orangés, du jaune, lui aussi parfois orangé, et quelques tons froids comme le bleu ou le violet. Il ne va pas alors chercher à restituer fidèlement les couleurs de ce qu'il représente, mais plutôt à travailler sur l'ambiance des scènes. Les rouges et oranges sont ainsi souvent utilisés pour dépeindre un acte violent ou l'imminence d'un danger. Le jaune, lui, sert à mettre un élément en exergue, soit parce qu'il est employé comme une source de lumière, soit parce qu'il est plaqué sur un élément. C'est le cas par exemple du criminel de l'histoire de No Way Out qui porte une tenue intégralement jaune. Francesco Francavilla peut ainsi jongler avec ses couleurs d'une case à une autre, créant ainsi un rythme complémentaire à la narration du dessin, un peu comme s'il s'agissait d'une bande-son accompagnant l'image.
Enfin, Francesco Francavilla fait quelque chose que beaucoup d'artistes semblent avoir oublié aujourd'hui, de l'expérimentation purement graphique dans le découpage. Si son storytelling fait très souvent cinématographique dans ses cadrages et idées d'enchaînement, il nous rappelle de temps en temps que le comics possède aussi ses propres forces en matière d'art visuel et de narration. Il joue ainsi avec la forme des cases et leur agencement pour proposer des structures de pages originales qui viennent flatter l'œil sans nuire au récit. Dans cette page par exemple, il restitue le chaos du combat à main nue en créant une mosaïque de coups et de ripostes. Il semble même y glisser un petit hommage à la série TV Batman des années 60 avec cette inclusion des onomatopées qui viennent s'incruster dans la narration séquentielle. Que ce soit avec la mini-série No Way Out ou sa séquelle Karabochek, The Black Beetle vaut vraiment le détour si vous aimez les justiciers pulp et surtout l'audace graphique dans les comics. C'est un de ces rares titres dont l'approche visuelle est à la fois respectueuse du genre qu'il évoque et aussi innovante par rapport à ses codes. Je ne peux donc que vous inviter à aller vous plonger dans les ruelles sombres de Cold City pour y guetter la présence furtive du Black Beetle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette nouvelle découverte vous donnera envie d'aller jeter un œil au travail de Francesco Francavilla. Je vous remercie par avance et aussi pour tous vos partages, vos likes et vos tweets et pour tous les abonnements qui ont pu arriver ces derniers temps sur la chaîne. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures graphiques dans les comics. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.